Il crabe. Je le même si on est venu nous aller, on fait les deux. C'est la population qui fait appel avec nous. Ça a été annulé. On a coupé les gens pour voir les populations comme ça. Ok, l'autre sujet, monsieur. Nous connaissons le patron ministre Prieur, le président a parlé de réforme de la constitution et puis en fait, la prochaine électorale. Avant l'élection, parce que nous avons l'autre constitution, nous connaissons un pile de débat, un pile de société à parler de nous, en tant que ministre. Bon, donc, il y a un débat qui est duré pour une nouvelle constitution, et bon, nous voulons avoir que. Donc, il y a une victime de la constitution. Et cette constitution est son originel. De sa création, il devait être fait exclusivité, il est exclu aussi de monde. Avec l'article du général de Rome, il est dit que pas d'autres. Et nous, avons le fait contre le pays. Et il y a besoin d'une constitution inclusive, peut-être pour Nadam, qui ont fait un projet de société pour le pays. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons le président, que nous sommes là. On parle de nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui traduit la réalité haïtienne. Tellement il y a dans et qu'il n'y a pas nous loin qui est arrivé faire. On ne peut pas ça. Mais cependant, il peut plus de nécessité de vous pensez le comité consultatif là pendant Chita avec tout le secteur. Bon, ça est job. Job pas laissé. Chita avec nous. En plus, c'est bien. Grand proposition pas mal. Comme arriver à coucher un coucher chez comme Manou, qui traduit réellement la réalité avec ça. Sans le Parlement haïtien. Bon, la question, quand même, c'est pas que le Parlement haïtien avant le vêtement. Inévitablement, les parlementaires sont là, les sénateurs sont là. Je suis supposé faire partie de ça, qui va faire tout. Et monsieur, c'est certain que la pouvez le bailler autour. Vous comprenez? Il va regarder le regard sur lui, le regard critique sur lui. Mais la constitution, c'est d'abord l'affaire de tous les Haïtiens. Ce n'est pas l'affaire seulement des parlementaires. Ok, c'est l'affaire de tous les Haïtiens. Ou même procéder pour voir la constitution. Pour gagner l'élection, je vais parler de la nouvelle constitution. Vous pensez que la nouvelle constitution va permettre pendant 2021 l'élection organisée? Pas de bagage. Nous avons inventé. Donc, tout le monde dit, écrit sur la constitution déjà. Il y a un ancien député de l'État. Donc, tout le monde dit, pensez, il y a sur la constitution. Il y a quelqu'un qui va tout. Nous faisons une analyse critique de eux, nous faisons ça bon. Et puis, le comité consultatif là, il continue de consulter vous. Il continue de consulter différents secteurs de la vie nationale, de manière à ce qu'on a une véritable constitution qui a besoin de pays. Pour l'élection, il faut faire l'action. C'est ce qu'il y a dans le bataille. Il faut mettre la paix dans le pays. Si vous voulez que pour renouveler personnellement la politique, il faut avoir une élection faite. Et je suis sûr et certain que son élection sera faite de manière démocratique, libre, honnête et transparente. Vous avez beaucoup de sociétés à confier le mandat président et secrétaire 2021. Vous pouvez appeler à une élection avec tout ce que vous savez de la société. Regarde bien. Ça donne des contestations qui fait des cailloux. Beaucoup de monde dit que le mandat fin 2021. Moi, je ne sais pas. Par contre, arithmétique. 2017-2021, il n'est pas de mandat. 2017, c'est plus 5 mois que 2022. Par contre, si le mandat nouvel, le président, comme c'est le président qui fait le mandat nouvel, le mandat nouvel, c'est le président qui fait. Mandat président a commencé le 7 février 2017, a fini le 7 février 2022. Mais ça qui est important, Daniel Barré, mais la net. L'élection a été faite pendant 2021 avec le président Joël. Combien de temps vous pouvez faire l'élection dans le pays? C'est mettre des conditions pour nous avoir dans l'élection. Confiance, que vous faites. Et puis que les partis politiques, quand même, peuvent participer à l'élection. L'élection n'a pas bien aucun fait, c'est la participation des partis politiques. Puisque son pays, que les partis politiques ont pullulé, en quelque sorte, dans les partis politiques. Donc, inévitablement, parti voulait aller, c'est pas voulu aller, il n'y a pas de gagner, comme d'habitude. Mais là, on parle d'élection, on parle d'élection collectivité territoriale, élection législative et élection présidentielle. Inévitablement.
inévitablement, tout simplement, pour qu'on va arriver à un projet de faire deux élections. Les élections législatives, d'une part, et les élections législatives, les élections politiques et territoriales, et la présidence, ça va dépendre d'eux. Et Kaïpek là, comme on va le travail, il faut le moment à pas de comme tu grand pas. Vous arrivez à faire une élection dans le pays. Mais pour l'élection, il faut une nouvelle position, bien les deux, une nouvelle position et puis élection. Pour qu'on les deux à la fois. On fait une nouvelle constitution en même temps, on fait l'élection. Il faut qu'on voit une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, on va quel type d'élection à faire. Pour avoir fait. Et puis là, ça, est-ce que c'est une élection à faire avec, même si avec presque tout le pays l'année. Il faut que mon président et mon vice-président. Oula. Ça veut dire, nous croyons qu'au niveau gouvernement, c'est sous égide, nouvelle constitution que n'a pas lié. Ce serait l'idéal. Nouvelle élection pour l'organiser. Ce serait l'idéal. Mais ça va pour politique avant les élections. Bon, ça va demander au président de la République. Le président, il a ouvert ses bras pour dire oui. Il y a un accord politique. On est un accord politique. Deux mondes disent d'accord, deux mondes d'accord. Il y a des gens qui croient que c'est la politique seulement que le travail est au pouvoir. Il y a des gens qui disent non, je vais me croire que le travail est au pouvoir par les élections. Maintenant qu'il faut le travail au pouvoir par les élections, qui ont trouvé ces moyens, tu regardes les élections pour toi. Merci, ça va. D'accord. D'accord.
que pas habitué avec son c'est ça que mon dit ça il pas habitué ça c'est du et tout le monde qui là la presse parlé écrite et télévisé les médias en ligne je dis à nous connaissons le 25 novembre qui c'est journée internationale contre la violence qui a fait sur femme haïtienne. C'est notre comme nous connaissons l'île femme haïtienne pour reconstruction, notre objectif est de dénoncer la violence, dénoncer tout ce qui a fait qui pas bon sur femme haïtienne. Et bien, notre objectif, ça, matin, nous venons là pour nous capables de faire une conférence de presse dans le cadre de la journée internationale contre la violence qui a fait sur femme active. Notre objectif, ça, notre personne, madame. Votre parole, vous, Madame Descobert, qui va faire suite pour nous. Merci. Violence qu'a fait sous femme actifie, c'est violation de l'amour. Nous pas qu'à faire silence. Il faut que nous continuions à dénoncer ça. Quitte ces violences physiques, quitte ces violences sexuelles, quitte ces violences économiques, quitte ces violences physiologiques. Déclaration sur élimination de violence qu'a fait sous femme qui était signée par les Nations Unies en 1993 définie. Toute cette violence qui fait sous femme ou bien qui a dommagé la femme, ou bien faire souffrir dans le col, dans le sexe, dans le maïli, et puis tout qui menace lui, fait pas jouer dans la société ou bien dans la vie privée. C'est violence fondamentale. Cette violence qui a fait sous femme actifie, déranger toute société. Tant empêcher les filles qui finit l'école et bali en prise qui fait le paca faire face à l'avenir demain. Violence qui a fait sous forme actifi pour promouvoir le développement dans un pays et bali en pile problème pour la paix dans une famille. Violence qui a fait sous forme actifi empêcher de jouer à la droit fondamental. Là nous sommes une société ça. Li former des femmes et des garçons. Nous demandons qui a venu le pays d'Haïti. Les violences qui ont fait sous femmes actifies a continué à valer terrain comme ça. Chaque jour, plus, c'est viol sexuel, maspinage, kidnapping et assassinat. Tout droit fondamental, société a même qui menacé les femmes à souffrir comme ça. C'est ça que fait, nous avons demandé pour l'ordonnateur capable d'enchaîner pour nous de tout ça nous identifier comme problème dans la société pour la violence sous forme active. Sorti janvier, arrivé mois de juin 2020, il y a 243 personnes qui ont violence pour aller dans Port-au-Prince. Et puis tout prend mai de juillet dans le quartier populaire, il y a 145 personnes qui mourent. Là-dedans, nous identifions 18 femmes, 5 petites filles et 2 autres filles qui disparaissent. Nous jouons tout 18 femmes qui ont violé. Il y a tout 28 personnes qui sont blessées à l'exam, là-dedans, il y a 5 femmes et 8 filles. Là, nous continuons, pour septembre, arrivé dans le mois de novembre, il y a 24 personnes qui mourent à l'exam. Et il y a 7 femmes, il y a un policier qui mourent. Ça veut dire femmes toujours. Puis plus, nous connaissons qui est le dernier cas qui indigne toute la population, qui est révoltant. Et qui touche nous dans 20 nous, c'est qu'à Evelyne Saint-Saint, yo violé, kidnappé, bat et yo lagué sous pile fadra 1er novembre qui s'est passé là. Il y a un policier qui perdit la ville dans un club Pétionville. Il y a une femme qui a fait stage, patron violé et puis tout yel.
il y a une autre femme tout dans la ville Okaï, dans le sud pays, qui a décapité ces petits morceaux qui ont joué. Sans compter, il y a un petit monde dans la grande danse, spécialement dans Jérémy, qui a violé et qui a fait ça, même rivé, tombé enceinte. L'IFAR, l'IFAR haïtienne pour reconstruction, tout profiter des conférences de presse pour dénoncer cette violence qu'a fait Soutifi dans le quartier populaire, dans le Koubelé. Côté, bon paquet, l'école qui ferme, si moun sa yo pas qu'à l'école ou bien pas qu'à sortir à l'école. Nous venons dénoncer cette violence. Et puis tout, gagner maman assassin. Alors, maman présumé assassin qui était tout le journaliste Néhémie Nami Balay, comme nous connaissons dans le droit pénal, responsabilité en personnel, ils ont arrêté maman depuis l'air parce qu'ils n'ont pas joué le présumé assassin et maman a pourri dans la prison depuis l'air. Nous avons tout un paquet de femmes qui sont en prison qui n'ont pas jamais passé devant le juge naturel. Nous avons tous les femmes qui ont mis en prison à Kaye parce qu'elles ont dit qu'elles volaient trois sacs pour avec. Nous avons depuis 2011, merci, nous avons madame policier qui a gagné des bras ballants dans la RIA parce que tous les maris ont exercé ses fonctions et l'État n'a pas pris responsabilité face à Mounsa qui la guerre sans mal. Nous demandons à toute autorité qui concerne nous, prendre responsabilité nous, ou bien quitter force nous, pas les gens qui sont capables de faire plus bien place. Nous demandons au président Jovenel, forcer autorité qui concerne nous, prendre bonne décision qui permette la sécurité dans la population. Parce que femme c'est maman, femme c'est la vie, femme c'est l'avenir. Femme, c'est espoir. Alors c'est pour ça, Ligue Femme Haïtienne pour reconstruction demande toute autorité, l'État, yo, pour yo capable de prendre responsabilité, yo, pour couper les violences qu'a fait sur femme active. Et Ligue Femme tout profiter pour questionner sur le ministère conditions femmes qui t'a supposé dénoncer en zak violence sa yo ka fait sou femme active et qui fait silence et silence li an vin faire le complice. Nous mande tout moun ki nan société civile la, organisation femme yo spécialement, organisation droit moun, l'église, vaudourisan, la presse, tout moun levez voix nous ensemble pour nous dire assez parce que fòk zak violence ka fait sou femme active kaba nan pays d'Haïti. Et c'est peut-être ça, l'IFER qui c'est Ligue Femme Haïtienne pour reconstruction, mettant ensemble avec partenaires Lio, décider de continuer le travail sensibilisation société, mettre ensemble avec partenaires Lio qui c'est ACEDIA, ensemble avec AJAC, l'IFLE identifier et l'identifier artistes qui sont capables d'aider le porter message sensibilisation ça. Et c'est ça que fait. Dimanche 4, 6 novembre, dans 6 décembre, merci, 6 décembre 2020, dans le gymnasium Vincent qui est dans Riel Romain, zone Chamas, l'IFAR avec le partenaire ACEDIA avec AJAC, a mettre avec un paquet d'artistes qui est dans la troisième circonscription, parce que c'est là Evelyne Sincère qui rete et était l'école, ensemble avec un petit fille qui a été assassiné, qui a eu 5 ans, qui a tout été dans la troisième circonscription de Port-au-Prince. Eh bien, artiste dans la troisième circonscription, a mis ensemble avec l'IFAR, avec ACEDIA, avec AJAC, mettre ensemble avec Daline Desca, avec Misty Jean comme artiste invité. Eh bien, nous allons offrir un gros spectacle de sensibilisation pour nous porter la population à faire passer le message pour nous couper. Zak violence qu'a fait sous femme active. Nous dit vivre une société sans violence sous femme active, vivre un pays d'Haïti côté femme active à vivre sans qu'elle saute, vivre l'État qui a pensé sous politique de sécurité
pour protéger femmes actives parce que violence qu'a fait sous femmes actives c'est violation de la monde. Merci. Effectivement, Liglan est en rapport avec Dadou Jamba et la Fédération Football est déjà blanchi et mettait banni à vie pour faire activité football. Mais par contre, toujours dans le cas de viol divers sous mineurs et la justice haïtienne blanchi, et ça l'a pensé de ça. Comme nous avons fait le droit, nous respectons la femme et nous avons fait ça. Bon, c'est une bagaille. Alors, c'est l'objectif principal de l'IFOR qui s'est dénoncé la violence qu'a fait sous forme active. Eh bien, l'IFOR a dénoncé ça déjà et l'a continué à dénoncer. Et nous pensons que les exemples qui pourront tracer dans la société, les gens qui ont fait violence sous forme active, il faut que la justice se travaille. Côté l'attendre maintenant, la juger, si je ne cas pour nous condamner maintenant, pour nous condamner, et puis pour qu'un bel en prison, pour ça ça ne pas multiplier dans la société. Alors dans ce sens ça, il faut demander la justice pays d'Haïti pour faire travail, côté pour chercher bon gens preuve depuis Dadou et responsable, coupable de toutes ces violences. Il faut qu'ils arrêtent le juger et qu'un bel en prison. Merci à vous.